Le XXIe siècle n'est pas le siècle le plus lumineux. Pourtant, la vie résiste encore et toujours. J'adore Spinoza, qui est bien le premier philosophe à nous parler de spiritualité. Hérétique de la communauté judéo-portugaise, rejeté de tous pour sa curiosité et remise en question de tout l'enseignement reçu, c'est avec humour qu'il nous décrit sa définition de la foi. La foi, pas celle des hommes, non, l'universel, celle de la vie qui se retrouve dans un bourgeon, un éclair de lumière, un souffle. Inspiré de cette philosophie, je m'évade dans l'émerveillement de toute chose. Cette porte symbolise la lumière, le passage de cette prise de conscience que l'instant présent est bien celui à vivre, à respirer, à infuser pour émaner la vie dans toute son entièreté. À la découverte de la lumière, la vie n'est faite que de paradoxes. Par ma peinture, j'aspire à éveiller l'émotion qui conduit au sentiment. Sentiment que la lumière est toujours plus forte que l'obscurité, que le chemin qui mène à cette lumière est accessible à tous. Merci.